La Victoire Radio TV depuis la République dominicaine, c'est qu'elle n'est pas pour même qui remet l'évangile ou même qui cherche un sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Bonjour messieurs, bonjour mesdames, comment nous est? Non bien? Il y a une très belle question qui a posé ce groupe-là. Une cette question est posée avec intention. C'est ça qui fait un temps de audio tout avec un pile attention. Et bon, disons, bon. Par contre, si nous avons observé le genre de manifestation qu'a fait Haïti. Et, par contre, si nous avons observé tout, thème manifestation. Raison qui fait mon manifester. Par contre, si nous avons observé tout, genre de monde qui a manifesté. Alors, moi-même, je vais poser ma question après que je observe trois barres. Je me dis, est-ce que le monde sait qui est là, qui a manifesté, est-ce que y a besoin réellement de ça demander? Parfois, je vais regarder les gens qui ont manifesté pour courant. Je vais regarder les gens qui ont fait la réparation de la caillou. Il n'y a pas de ventilateur. Voir pour ta bosse ferronnée. Or, Haïti, pas un système d'industrie qui utilise le courant. Mande ça pour faire courant. Il y a demandé. Est-ce qu'il y a une utilité? Est-ce qu'il y a un bagage pour faire courant autre que si charger cellulaire? Est-ce qu'on a? Ça veut dire que bon gens pour y aller dans la vie. Soit demander courant, il faut un bagage ou faire avec courant. D'ailleurs, pour les gens qui ont courant dans le pays, il faut qu'on dépense, il faut que l'État dépense. Et voilà que l'État finit de dépenser, il met des structures là, or ce n'est pas lui-même qui a géré le courant. Maintenant, même les gens qui ont volé comme le courant, c'est eux-mêmes qui ont baillé les gens. Petit sac de riz, petit galon d'huile, mettez-le dans la rue, fait manifestation, font série de bagages, ça veut dire que les gens pas manifesté pour être. Est-ce que nous là, ils ont manifesté avec une autre raison? Est-ce que nous-mêmes, nous avons aimé tout? On a fait 2-3 jours dans l'arrière, on a gommé pendant ce temps. Et pas pour raison, pas nous, c'est pour raison l'autre monde. Parce que nous n'avons pas gagné de ça. Maintenant, si nous-mêmes, nous avons couru dans l'arrière, nous avons demandé au gouvernement pour le bas nous courant, il faut nous regarder qui est sérieux, nous avons réglé le courant. Vous comprenez? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous montons faux des peuples pour des raisons nécessaires. Des raisons nécessaires. Il faut que nous avons des choses qui sont utiles que nous avons fait. Et puis, moyens nous pas l'utiliser pour nous motiver pour nous chercher. Alors, si nous jouons une barrière, maintenant, il faut nous avoir une propre stratégie pas nous qui nous amène ou qui dépend de nous pour nous éliminer les barrières. Mais si la stratégie elle dépend de l'autre monde, nous n'avons même besoin à l'attaquer. Parce que soldat, par contre, qui désamène dans l'autre monde, et bien pour la gommer. C'est dans le même boulier. Il faut assurer que les munitions. Il faut l'assurer le tout. Que sous champ de bataille, là, si les munitions sont finies, là, vous avez un renfort. Est-ce que nous concernons nous-mêmes? Qui est-ce qui renfort nous? Qui s'examine nous? Même par exemple, problème haïtien qui arrive en République dominicaine. Entendez bien. Et t'es une fois, le président de Télé-Trouville, que tout le monde welcome une bête noire. Qui ça parce que c'est lui qui est président.
Si nous disons, il y a des décisions pas capable de prendre. Parce que c'est pour ça que vous êtes là. Donc, il a dit menti. Massacre 1937. C'est pas un massacre dominicain. Parce que là, mais l'histoire fait nous connaître que c'était Trujillo, c'était dominicain, c'était ceci, peuple dominicain, même bien orgueilleux parce qu'il était fait massacre. Menti. Dominicain va d'accord un plume sous don haïtien. Surtout dans l'époque, ça, on a parlé de 1937. C'est un domaine, c'est un province qui était devant Haïti. Même division territoriale, là, en 1844, les bonnes questions des Dominicains, tu fais division, tu es pour indépendance, c'est menti, pas de bon peuple qui était les Dominicains. C'est la coalition anglaise, espagnole, française qui décidait avec les mulattes d'Haïti pour diviser là, pour prendre toute terre qui fertile, pour remettre terre montagneuse bah Haïti nèg noir. Et puis diviser politique là. Ça, nous avons une série d'histoires d'Haïti que nous allons faire sur Chanel Nouyo. Nous allons plus en détail. Ça veut dire la politique de l'île, politique en dans l'île là, ce n'est pas mon en dans l'île là qui monte, il y a seulement exécuté. Si nous prenons le cas actuel des Haïtiens avec Dominicaine, le président Abinader n'a pas qu'à manier Haïtien sans communauté internationale, là va décider précisément communauté européenne des Nations Unies avec Américains. Si c'est pas eux-mêmes qui chita qui vous dit mais ça pour faire, mais ça pour faire. Le président Abinader n'est pas capable de rien. Il va pas manger un petit haïtien et mentir. Parce que là, par un chef d'immigration qui parle de là, qui parle de Gogoy comme si son décision dominicaine prend, et mentir. Parce que non là. Voilà que si nous pas garder derrière ça a fait pour nous, qui monde qui a fait, qui est-ce que nous connaissons, nous allons le relayer. Nous allons relayer, nous voyons l'aide par l'ambassadeur américain. Et tant que ça a été fait en 1937. Et puis, les Jacques Oumé, c'est un auteur haïtien, un écrivain haïtien. Monsieur a écrit une lettre, vous voyez, par le département d'État américain, pour le dénoncer, ça tout il a fait dans le pays. Monsieur était en France, il a arrêté. Il a arrêté. Il a fait 3 jours en prison. Et puis le béon, à moi, le café, un bouche. Parce que là, on lettre, monsieur écrit, vous par le département d'État américain, sur sa douleur, il a fait haïtien en République dominicaine, il a arrêté l'enfance. Nous avons dit samedi, hein? Ça veut dire qui ça? Nous ne pouvons pas répondre à une question, ça. Nous répondons nous-mêmes. Où soldat ou pas d'examen pour préparer pour la guerre? Frère, ou même qui pose la question ça. Révolution? Mais oui, nous préparons une révolution. Une révolution socio-économique. Et bien, une révolution pour nous voulons caoutchouc. Même caoutchouc, nous n'avons pas encore. Caoutchouc, nous n'avons pas caoutchouc encore. Ou pas qu'un soldat, ou pas qu'un examen d'amour, ou préparer pour la guerre. Non, ou préparer pour aller mourir. Est-ce que là, on ne peut pas jouer Richard Tipia avec nous dans la RIA, ni en plein devant aucun ambassadeur. Pour cette situation, ça, si nous ne pas préparer nos bons gens pour nous, pour nous faire mon respecter nous. Si tout en a demandé mon yo, le gouvernement a demandé mon yo, et le gouvernement a dit non, nous irresponsables, peuple haïtien irresponsable. Tout secteur dans le pays a demandé aux ONG, ceci, c'est l'autre, bon, l'autre. Où pensez-vous qu'il y a des gens qui pas fait ça à faire? Bon, c'est un tado. Sous pas représentatif. En aucun cas, ou pas représenté. Sous pas participatif. En aucun cas, ou pas participer.
Est-ce que la participer ne veut pas dire seulement contribuer économiquement et bien dans l'activité? Non. Participer veut dire prendre décision. Faut ou bien une façon pour y aller, pour l'État prendre décision pour là. Ça veut dire faut avoir une voix, faut avoir un vote, faut parler et pour le prince dire en conséquence, il faut avoir un vote tout pour voter projet, il faut être présent. Ou pensez nous bon organisation en Haïti qui a participé dans la décision de l'État? Non. Nous formons une organisation en attente pour l'État. Bah nous, Timoné. Pour l'État mettre nous sous budget, pour l'État bah nous Timoné. Et l'État lui-même, côté loi, il vient Timoné ça. Toute institution qui travaille comme dans le pays, dans le secteur privé, marché à vendre, électricité, communication, éducation, tout pareil net. Tout ça qui travaille l'État comme pour le marché. Yo nan men moun. Yo nan men etranje. E yo force l bay li pou ki sa poske l pa gen le chwa. Poske l'Etat Haïtien pa gen apuy pep Haïtien. Yo divize l'Etat avèk pep Haïtien. Haïtien vin pa participatif, li pa reprezentatif. L'Etat tou vin son l'Etat a genou poske li pa gen garanti. Se pep li pou ta garanti l bon pep la nan. Chaque jour, la cour d'elle. Le peuple a son ennemi lié pour l'État pendant ce temps, la demande l'État chaque jour. Nous ne sommes pas quelqu'un de fou. C'est pour nous traiter tête nous d'abord avant de nous chercher pour prendre des décisions. Ok, merci mes amis. Nous souhaitons passer une bonne journée. Il y a un autre bagage, mais toujours à réfléchir sur lui. Par exemple, nous avons tiré par ces histoires. Depuis l'époque de Macandal, la révolution de Saint-Domingue de 1791. Et puis, nous avons tiré passé l'époque Toussaint dans Saint-Domingue. Et puis, Jean-François, Biassou, si nous regardons d'ailleurs bien, nous faisons une analyse contextuelle. Tendez bien, ce n'est pas seulement l'histoire, parce que le bel, oh, tu as un gourmet, révolution, il faut nous un contexte. Qui est Jean-François Biassoua? Qui mouvement le dit? Qui ça a fait? Pour qui ça a fait? Jean-François Biassoua, tout simple, vient paraître. Avec une autre idéologie, est-ce que là, maintenant, nous allons garder au bien et puis pendant nous allons garder au avec une vision analytique, comparer au avec ce qu'a fait en Haïti là, vous voyez. Jean-François Biassou, ce mouvement ça qui commençait non, qui commençait tendance nationale. Et puis là, nous prenons par exemple Toussaint et en face Rigaud. Là, nous prenons Toussaint en face Rigaud. Attitude Rigaud représentait attitude Mulature jusqu'à présent. Rigaud a vive dans Mulature. Là, nous prenons par exemple Toussaint. Face à la politique anglaise là, en 1796, Toussaint face à l'Espagnol en 1799, Toussaint face à la communauté Saint-Domingoise là, en 1801. Quelle décision elle prend? Qui ça le offrit comme avantage et qui ça te désavantage dans le moment. Et puis,
ou pral pran la desisyon de Salinyen an 1805 ki pral abouti avèk la mor de Saline an 1806 e koman il la te divize tout a pati de la mor de Saline jiska la kampany d'unifikasyon de Boyer ki termine an 1822. Si nan gade kontek sa yo, pa selman nan pa analize variable interne yo non, fò nou wè la konsekans de la puissance externe, de la puissance koloniale, ou bien les puissances koloniales. Ki politik fransè yo te jwe an dan politik ayisyen a pale de 1805 jiska nou jou. Ki politik anglè yo te jwe, ki politik espanyol yo te jwe. Eske nou la? Nan pale de epok indépendans nou, formasyon de l'Empire d'Haïti et puis nous venons une politique broyée jusqu'à la division de 1844. Et puis, l'on apprend ligne politique nous, qui mène nous là, journée aujourd'hui, face à un système global, côté c'est anglais, espagnol, français, qui a conduit tout élément d'activité dans le monde là, qui influence l'IO. La politique haïtienne. Automatiquement, est-ce que la coalition anglaise, espagnole, française, les nous parler de coalition espagnole, anglaise, française, puis nous mettons Canada à pas, non? Canada sont province de l'Angleterre. Jamaïque sont province de l'Angleterre. Et les nous prenons Martinique, Guadeloupe, Guyane, c'est pour y aller. Les nous prenons l'autre pays en Amérique latine, y'a des perfils, y'a bien, on voit que c'est frère, c'est soeur. L'on prend Chili, on prend Mexique, on prend l'autre, y'a semblé avec y'a. Bon problème ethnocentrique dans Marella. Pour ne pas négliger. Et les noms pour tous les États-Unis, c'est immigrants européens qui réclament que les États-Unis, c'est les vrais Américains. Les immigrants européens, anglais, espagnols, français, allemands, portugais, l'autre, ils réclament que c'est les qui vrais Américains. Américains, les blancs. Ça veut dire afro. Ils considèrent comme afro-américains. Ça veut dire qu'ils ont un titre. Yo bon signature, yo même yo c'est original. Est-ce que nous là? C'est l'érocentrisme. L'érocentrisme, faut nous pas négliger le problème pays d'Haïti. Alors, et les noms point, tout bagaille ça, frère Maxime yo. Puis il y a nous dit, ma plein tête, non, non. Ces réalités nous nient. Qui fait chaque fois nous avons levé tête, nous avons fait camper, nous tomber. Parce que pour Mango Sayo en bas pied, nous avons glissé, nous pas retiré. Et comment nous allons faire pour nous retirer? Je ne dis pas là. Ou en face sur l'élément, il y aurait les globalisations. Qui est-ce qui a dirigé? Société globale yo. Africain? Dis-moi. Qu'est-ce qui est dans la tête? Et qui ça a besoin même? Il y a besoin de matière première. Il y a besoin de réserve matière première parce que il y a même projeté pour le futur. Ou gen des éléments la kayo, des éléments minières la kayo, qui ka servi yo pour la fabrication et des éléments postmodernes.
là on prend son sol yo au bras en balan mer là hein yo charge avec mine yo charge avec richesse que yo même yo ka utiliser demain yo pas d'arrêt même pour négocier avec l'autre nation. C'est une raison qui fait toujours gagner en constant contrôle sur politique. C'est une raison. Autant que l'île la cap peuplé, un peuple que eux-mêmes ont dominé, les sociaux a plus assuré. Ou même étant qu'on colonie, ou là, nous sommes un peuple qui a vécu dans une colonie. Et si nous prenons par exemple en 1998, je crois, si je ne me pas trompé, tu as un recensement sur sa ressource naturelle, il l'a en Haïti. Pas seulement Haïti. Il était là, tout en République dominicaine. Quand tu as commencé en 1997, on va dire comme ça. Bon. Plus, les gens qui étaient dans le détail, c'est les gens qui étaient dans le Parlement, qui t'a coupé, arraché, volé, voté, qui étaient dans le Nissan Patrol. 50 000 dollars, on va qu'on va me détendre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Yo connaît tout côté qui dit mine en Haïti, qui mine. Yo étudie, yo éduque tout le monde avec ça, mais ou même en Haïti, tout le monde pas connaît rien sur bagaille comme ça. Même à l'université en Haïti, il n'y a pas jamais soufflé au bagage comme ça. Ou par contre, qui richesse qui gagne en balambéo là, qui importance qui gagne. Et qu'on l'autre question qu'on n'a pas jamais posé, intellectuel, nous n'a pas jamais posé. Espace maritime, nous, qui bon rivé, espace aérien, nous, comment nous gérer ça? Avion a volé sous tête tout, chaque année, chaque jour, chaque minute. Maintenant, nous ne savons pas qu'on est. Est-ce que les compagnies ça va d'abord un compte pour le payer? Parce que l'avion, ça a fait un effet. Il est capable de très très négatif sur le milieu ambiant. Tout le monde, ok. Ben, il est en télé, il va parler là. Juste, nous n'avons pas de bagaille, nous ne savons pas qu'on est. C'est comme si on pourrait aller dans la guerre. Ou ces soldats ou parlent dans la guerre, non seulement ou pas les hommes dans le monde, ou pas compter rien. Côté de trou, ou pas qu'on est. Est-ce que là, côté de ravine, côté de mauvais bête, ou pas qu'on est. Ou pas rien dans le monde. Adieu, papa ici. Il y a besoin, mais d'œuvre bon marché. Pour la construction, pour la fabrication. Mais ne devait pas présenter autant de dépenses. Et ça a été qu'on est longtemps esclaves. Nous, c'est un monde qui t'a signalé depuis l'année 90 la nouvelle forme d'esclavage. Je te qu'on parlait de néo-esclavagisme. Et je te dis que ça, système global, ça, que si nous pas entrer là-dedans, pour nous marcher, il y a traîné nous. La vie portée pour nous, ça a une nouvelle forme d'esclavage. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste Aristide qui a eu un vocabulaire ça en années 90? Les salles dont vous l'idée. Est-ce que nous là? Nous avons besoin d'espace pour petit tu vivre, bien vivre. Est-ce que là? Espace pour faire belle caille, belle route, loisir. Pour petit tu bien vivre. Il y a conservé la terre pour génération. Yo. Comme dit nous, Seigneur, si nous ne pouvons pas Seigneur, gardez ce qui a passé en République dominicaine. Là. Pendant qu'il a retiré Haïti, il a rentré Ukrainien, il a rentré Libanais, il a rentré Vénézuélien,
Il a rentré l'autre, il a rentré toutes ces œuvres Nations Unies. Nations Unies qui a demandé espace pour créer société. Et ça a offert l'Israël, et ça a offert l'autre Palestine, c'est ça a offert l'Haïti, la République Dominicaine, c'est ça a offert le Mexique, c'est ça a offert l'autre, c'est ça a offert l'autre. C'est-à-dire qu'il a créé un type de société. En tant qu'intention, nous avons un problème fondamental. Surtout pas bon ici, en Amérique latine ou en Amérique centrale, un problème ethnocentrique. Les multiplier problème par les peuples noirs en Afrique, c'est juste le besoin d'espace pour yo, éparpiller mon yo pour y aller. Yo besoin créer poste de travail pour yo tout. Yo besoin privilège pour mon yo. Ou après, on a ici 20 ans depuis la République Dominicaine, la travail, la banque Poco, qui a prêté 1 million de gouttes. Ukrainien en vini là avant hier. Non seulement le gars a une résidence signée pour 2-3 mois, la banque a ouvert pour Bali pour 50 millions de gouttes. Dimitri Vov t'a dit ça dernièrement, hein? Pendant le temps d'exil, à la République dominicaine, Lido. Souvent des Haïtiens, Haïtiens proposent des Haïtiens, Milacho, il veut dire Milacho par Haïtien, non? Il dit Haïtiens proposent des Haïtiens, non? Pendant ce temps, c'est menti. Si je suis un haïtien, moi-même, je suis un haïtien. Avec lui-même, il est haïtien, non? Il dit, moi-même, si je suis un haïtien, je demande 50 millions de gouttes prêtées. Il dit, je vais gagner un bac à bonne, il va le prendre, il va moi. Pendant ce temps, si un haïtien, pareil, il a demandé 10 000 gouttes prêtées. Il va gagner un amène, il va le balil. Ça veut dire, même système financier, ça a tout, il est là. Pour appuyer mon saio et puis pour même qui c'est noir ou était en bas pour laver qui l'autre laver assiette pour yo est-ce que c'est ça et pour ça a besoin c'est ça que les main d'œuvre bon marché ou toujours à titre d'esclave ou toujours travail dans mine ou toujours travail dans champ yo dans jardin yo ou toujours travail dans construction toujours travail la caille, il y a des esclaves domestiques. Hein? Ou est-ce que j'en bâille tout le monde au papier pour qu'il y ait une université pour travailler sur le bureau? Non, ou pas dans sa bureaucratie. Il n'y a pas dans la bureaucratie avant. Il y a réservé travail domestique pour vous, travail dans le champ, ça veut dire dans le jardin, travail dans la mine, travail dans la construction. Travail dans le camp. Est-ce que nous là? Même en Haïti, ils forment une mentalité pour ça. Vous comprenez? Tout élément, ça, si nous mettons en ligne de compte, nous avons que nous avons un travail pour nous faire qui est exceptionnel. Femme, dis-nous, malgré chaque révolution qui est faite dans le pays, pour moi, est-ce que j'ai un élément qui cause échec, leader? Et c'est une raison que je me dis tout ça, je me dis là-haut. Je me dis, on dit j'en dégage. Mais je dis essentiel. Ouvrez l'esprit. Il y a des décisions à pas prendre parce que la défaite là, elle est automatique. Je vais le faire un coup. Si c'est pour ça que je n'ai pas besoin qu'on aime ni dans la radio, ni dans la télévision, ni dans la rue. Je vais le faire un coup. Je vais courir parce que j'ai besoin pour vous dire que ChatGPT est révolutionnaire. Non, c'est pas ça que j'ai besoin. Nous avons deux fonds qui sont effectifs, qui pourraient porter un résultat positif. Et les bon. Voilà. Si ce soit fait, déjà qu'on n'a pas le perdu, vous pouvez le faire. Parce qu'on a besoin pour YouTube, parce qu'on a besoin de vues, on a besoin de voir tes politiciens, on a besoin de voir tes pasteurs, on a besoin de voir tes révolutionnaires. Ça, ça va être-il? Non, ça va être-il. Maintenant, il faut préparer la bataille.